Histoire d'un silence d'Isabelle de Golemin, paru aux éditions du Seuil, eh bien c'est une lecture grave que je vous propose aujourd'hui. Mais c'est une lecture nécessaire. Isabelle de Golemin est rédactrice en chef adjointe du journal La Croix. C'est donc une femme, une journaliste et une catholique qui, ici, évoque avec beaucoup de courage eh bien, une histoire qui aura été extrêmement malheureuse pour l'Église de France et pour le diocèse de Lyon en particulier, cette histoire que l'on a appelée l'affaire Prénat. Isabelle de Golemin est personnellement touchée par cette histoire, elle qui aura été scout eh bien, dans ce groupe que dirigeait le père Prénat. Elle va mener une enquête extrêmement douloureuse, mais il faut saluer ce courage et saluer l'honnêteté de ce travail journalistique. Histoire d'un silence par Isabelle de Golemin.